Salut. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo, c'est un muscle qui a été pour moi, ceux qui m'ont suivi depuis des années savent très bien que les épaules ont été pendant longtemps un gros point faible. C'est vraiment un muscle sur lequel j'ai galéré, que j'ai vraiment mis du temps à réussir à les développer efficacement. Et aujourd'hui, tu vas me suivre sur une séance énervée que j'ai décidé de réaliser avec ma femme qui m'attend là. Donc j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es en forme, parce qu'aujourd'hui, on va se massacrer les épaules comme jamais. Ah ouais, au fait, juste, je voulais te dire, tu as une réduction de fou pour tous ceux qui veulent rejoindre le Zango Challenge. Tu as une réduction de fou qui est disponible jusqu'à vendredi. Vendredi, donc retiens bien ça. Donc, tu as une réduction de fou. Donc, si voilà, tu as envie de rejoindre le Zango Challenge, je t'invite à rejoindre, donc à cliquer sur le petit lien que je te mets là en dessous. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on est prêt. Hein, on va attaquer, on va détruire les épaules comme jamais. On est là pour faire des gains. Alors, tu es en forme, hein? Ça va. Motivé. Alors, aujourd'hui, grosse destruction des épaules. Alors, ma femme, tu l'as vu dans la dernière vidéo, la vidéo dos, c'est une machine. Mais alors, sur les épaules, mon ami, tu vas être choqué. Choqué. Alors, moi, personnellement, tu sais très bien, hein, moi, niveau épaules, j'ai des perfs de grosses putes. Ça a toujours été un gros point faible. Honnêtement, je vais pas te mentir, niveau perfs, je monte à max 50-55 kilos par bras. Alors que tu as des mecs énervés qui montent à 60-65 kilos. C'est vraiment le muscle au niveau force. J'ai beau me donner au mental, ça monte pas, tu vois. Autant les pecs, tu verras dans certaines vidéos, je suis énervé. Autant les épaules, c'est laisse tomber, tu vois. Je préfère donc travailler vraiment en mode hypertrophie. Et niveau perf, j'ai laissé tomber, tu vois. Parce que j'ai compris, je serai jamais fort aux épaules. C'est pas fait pour moi. Mais ma femme que tu vois là, alors, mais mon ami, développé militaire, elle te monte jusqu'à du 24 kilos par bras. Donc, t'es sérieuse ou quoi? T'es sérieuse? Il faut que le peuple voit c'est quoi. De quoi? Je crois qu'il n'y a pas 24 en fait. Mais si, il y a 24. T'es ouf ou quoi? Non, ici, ça. Attends, on a l'XTC. Ici, ça monte jusqu'à 60 kilos par bras. Tu vois? Donc, ici, c'est vraiment nickel pour faire des grosses séances énervées. Donc, on va démarrer l'entraînement simple, hein, avec du développé militaire. On va monter vraiment en pyramidale. Donc, première série de chauffe, 20 répétitions. Ensuite, on va monter encore progressivement sur du 10-12 répétitions. Et enfin, on va vraiment monter sur les charges lourdes à partir de la troisième, quatrième série, une fois que le muscle est bien chaud. Donc, je te dis, aujourd'hui, la star de la vidéo, c'est pas moi. Parce que moi, je t'ai dit, épaule, je suis nada. Aujourd'hui, la star de la vidéo, c'est elle. Donc, elle va nous indiquer la première série, avec quelle charge elle va travailler. Et ensuite, je vais essayer de suivre, quoi. Voilà. 12, hein, 12, elle s'échauffe. Déjà, t'as capté, hein. 12 kilos, une femme qui s'échauffe, normal, tranquille. Te fous pas de ma gueule. Vas-y, essaye de prendre les 42 en fin de sèche comme ça. Je suis sous les épaules, mais là, avec la sèche, j'ai l'impression que j'ai plus rien sur les épaules. Pourtant, sur les pecs, je pousse. Hein. Pecs, dos, jambes, je pousse, même en fin de sèche. Mais épaules, mec, c'est la galère. Honnêtement, là, c'est la vidéo. Le titre de la vidéo, ça devrait être
Zango en galère. C'est ça le titre, tu vois. Ah, allez, allez, ben. Voilà, tu gères, magnifique. Lâche pas, allez. Voilà, magnifique. Allez, hop, explose, allez. Ça, 20 kilos par bras. C'est des perfs de bonhomme, ça. Fais 52. 52, c'est pas en dégressif, c'est ça? Ouais. 52. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut juste... Ouais. Moi, je termine toujours mes séries, enfin mes séries de travail, avec une dernière série en dégressive. Donc là, je vais tester, je viens de faire ma série lourde, donc à 48. Je vais essayer de monter à 52. C'est l'ego qui parle. Je ne sais pas si elles vont passer parce que je suis vraiment mort, mais je vais essayer. Et dès que j'aurai fini en fait le max de rep à 52, si j'arrive à en faire, j'enchaîne directement, je descends la charge donc à 32. Je fais un maximum de répétitions et après je descends à nouveau la charge et je continue avec 24 ou 22 kilos par bras. Le but c'est vraiment de cramer le muscle, c'est d'aller au-delà de l'échec, au-delà de ses retranchements. Putain. Forme, mec, viens t'entraîner. Tu verras, ça fait du bien de te dépasser. Bon, tu montes. Fais juste attention à tes poignets. C'est ça le truc chez toi. C'est ça le... Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'es forte aux épaules. C'est ça la différence, tu vois. Demain, par exemple, tu vois, si je fais pec, ben là, j'aurai pas d'excuse, tu vois. Ah, de quoi? 24? Ouais. Voilà. Tata Zango qui se balade. Tata Zango qui part en balade avec des haltères de 24. Non. Non. C'est très mort, ce quoi, aujourd'hui. Putain, fais chier. On vient de se massacrer. Bon. Les 52, t'as bien vu, hein. J'ai pas trop fait le fier. Franchement, j'en ai fait quelques-unes, maintenant on m'a un peu aidé. Puis je me suis bien déchiré, c'est bien déchiré avec les 20. Maintenant, on va enchaîner avec le deuxième exercice, l'élévation latérale. Mouvement très complexe, souvent très mal exécuté. Parce que la plupart du temps, quand tu vois les gars le faire en salle, ils activent énormément les trapèzes. Practice your tricks today.
Ah, je pars en dégressif, donc je diminue la charge. Et je finis pour vraiment massacrer le muscle au maximum. Toujours très important de se rappeler que les épaules, ça se divise en trois faisceaux. Faisceau avant, faisceau moyen, faisceau postérieur. Tu vois, c'est très important de bien choisir tes exercices pour vraiment cibler ces trois portions. Parce qu'en cas de déséquilibre, déjà c'est pas beau. En plus de ça, tu risques des blessures. Donc si l'avant est trop développé par rapport à l'arrière qui est sous-développé, ça crée un déséquilibre musculaire qui peut être dangereux et conduire à une blessure. Mais en plus de ça, point de vue esthétique, si tu fais des épaules bien rondes, genre vraiment bien les épaules en 3D, de travailler à la fois l'avant, le faisceau moyen et l'arrière-épaule. Là, je vais te montrer donc un de mes exercices préférés pour taper l'arrière de l'épaule. Alors c'est simple, je pose ma tête contre un support. Oh. Et je ne mets pas lourd. Hein. Vraiment bien. Alors, je me mets comme ça. J'hésite pas à arrondir légèrement le dos. Tu vois, pour vraiment désactiver les trapèzes au maximum. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur l'arrière de l'épaule. Et hop. 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 Et tu vois, tes coudes doivent rester dans le même alignement que les épaules. Putain, les stries sur les épaules, ça rigole plus, hein. Putain. Putain, c'est vraiment, c'est dingue, hein, comment tu as chopé la changer. Vous acceptez. Là, il te rappelle pas, il te rappelle. Ouais. Ouais. Excusez-nous. 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 Donc toi tu vas faire. Vas-y, dis que je suis sale, hein. Dis que je suis sale. Non, mais t'es un peu transpirant. La légende raconte que si tu te couches sur ma transpi, tu prends 2 cm de tour de bras. Donc, pour les intéressés, go DM, je vends ma transpi. Oh, oh putain. Il y a des fruits à l'intérieur, tu vois. Le fruit du démon. Donc, là, on vient de se massacrer avec 3 exos vraiment en mode lourd. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va finir de massacrer les épaules avec, je pense qu'on va faire, c'est un tricep. Donc on va enchaîner 3 exercices. Donc un exercice pour le faisceau moyen. Là ici dans cette salle, on va profiter, on a l'avantage, c'est qu'il y a cette machine qui est juste épique. En gros, tu te mets comme ça. Tu peux faire tes latéraux tranquille. C'est franchement, cette machine, c'est une dinguerie. Après, si tu l'as pas, ben, tu es obligé de faire à la poulie par exemple. Mais nous ici, vu qu'on a cette machine, on va en profiter de travailler là. Donc ça, ça sera le premier exercice du tricep. Deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est élévation frontale. Donc, hop, tu prends. Alors, les élévations frontales, j'aime bien les faire à la poulie. Pourquoi? Parce qu'il y a la tension qui reste continue même quand tu es sur le haut du mouvement.
En gros, hop, quand t'es en haut là, hop, t'as la tension qui reste au maximum. Et c'est vraiment ça l'avantage. Bam. Donc ça, ça sera le deuxième exercice du tricep. Et le troisième exercice du tricep, ça va être l'oiseau en unilatéral. Donc là-bas, on a fait avec les haltères. Ici à la poulie, c'est vraiment bien parce que tu peux encore plus te concentrer vraiment sur le faisceau postérieur. Donc hop, bien te focaliser sur l'étirement du faisceau postérieur. Et hop, tu ramènes l'épaule en arrière. Et comme je t'ai dit, pareil pour l'oiseau avec haltères, là, le coude doit rester dans le même alignement que l'épaule. Donc pas en position basse, même alignement que l'épaule. Hop, hop, et tu ramènes en arrière. Donc voilà, là c'est vraiment les trois exos qu'on va enchaîner. C'est élévation latérale, élévation frontale à la poulie et oiseau en unilatéral à la poulie. Je suis obligé d'être en mode possédé, mec. Sinon, ça passe pas. Voilà. Nice. Magnifique. Magnifique. Allez, bien, encore. Allez. Bam. Allez, jusqu'au bout. Bam, tu lâches pas. Bam, bien. Bam, nice. Bien. Nathan, ça fait 6 mois à peu près que j'ai rejoint ta formation. Ton programme. C'est vraiment lourd, c'est lourd. Ouais. Et ça va, tu kiffes? Ouais, je kiffe. Ouais. En fait, j'ai pas loupé une séance. Sérieux? Putain, ouais. Lourd. Et ça va, niveau game, t'as pris quoi? Prise de masse sèche? J'ai pris prise de masse. En fait, avant, ouais. J'étais Sydney. Mais je crois que je t'ai déjà aperçu ici, non? Ouais. Tu t'entraînais déjà ici, non? Ouais. Genre, il y a un an, quand j'étais venu faire les vidéos, ouais, ouais, t'étais beaucoup plus fin. Ouais. T'as pris combien de kilos, là? Là, j'ai pris à peu près 8 kilos. 8 kilos? Ouais. En combien de temps? En 6 mois. Ouais, c'est bien, putain, lourd, c'est bien. Là, j'ai mis mon poids, c'était 62 kilos. Et là, la dernière fois que je me suis pesé, 69,5. Ah putain, non. Et avant, t'arrivais pas à prendre du poids, c'est ça en fait? Ouais, c'est ça. T'as déjà essayé de prendre et tu... Ah ouais, pendant, putain. Pendant 2 ans. Je dirais 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, t'as essayé de prendre? Ouais. Ah putain, lourd. J'avais pas du tout les informations. Putain, c'est vraiment une dinguerie, ça fait trop plaisir, franchement ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment fier de toi, franchement mec. Respect, tu t'appelles comment? Samir. Samir, ben enchanté, franchement. Enchanté. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ouais. Comme ça, t'as un profil, enfin, genre t'as des photos, tu poses des photos et tout? Non, pas vraiment. Ah ok, allez, ben okay, envoie-moi quand même un message sur Instagram. Ouais. Comme ça, si jamais à l'occasion, si genre t'as une question ou quoi, ou même si genre, je sais pas, je suis à la salle, tu vois, et t'as besoin d'aide pour un truc, ouais. Comme ça, calme, tu vois, on se capte. En tout cas, c'est bien, lâche pas, vraiment. Ouais. Lâche pas. Tu vois, avant, je faisais pas du tout les jambes. Ah, zéro. Et grâce à toi, avant, j'ai commencé à... Ça, alors, allez, mec, ça me donne des frissons ce que tu dis. Parce que pour moi, c'est important. C'est genre, je mets un point d'honneur à ce que tout pratiquant qui me suit fasse les jambes. Genre, les jambes, c'est sacré, c'est là-bas, c'est religieux, limite. C'est spirituel, les entraînements jambes, tu vois. Donc là, ce qu'il me dit, genre, c'est limite, moi, j'ai envie de chialer, tu vois. Me dire que... Un pratiquant ne faisait pas les jambes et grâce à moi il s'est mis à faire les leg days. Pour moi c'est genre je suis refait, tu vois. Le seul conseil que je peux te donner c'est que si t'as envie d'un truc, va jusqu'au bout. Ne pose pas de questions, écoute pas les gens,
C'est bien les gens comment ils sont, ouais, t'as cru que tu vas devenir ci, machin, ouais, t'as cru quoi. Tu sais, moi perso, quand j'avais ton âge, genre, tu sais, genre, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais bon, j'avais pas d'abonnés, hein, j'avais genre 50 abonnés, tu vois. Et genre, j'étais là avec mon truc. Je crois que c'était même un téléphone qui n'aimait pas le mien. Tu vois, j'ai demandé à un pote de me filmer, c'est genre qualité de merde et tout. Et genre, t'avais des gars dans la salle, mais plus âgés, hein, qui me voyaient faire ça et tout. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Et je disais, ouais, j'aurais bien un jour. On sait jamais, tu vois, percer dans le fitness, genre en vivre et tout, motiver des gens. Ils me regardaient, ils me disaient, mais mec, t'es en Belgique, t'as cru quoi? Genre, t'as cru que genre tu vas gagner ta vie en faisant des vidéos et tout, machin, tu vois. Donc, si vraiment il y a un conseil que je peux te donner, c'est n'écoute pas les gens. Juste focus sur ce que t'as envie de faire, donne tout ce que t'as, genre doute jamais de toi. Ça, c'est le pire truc qui puisse te niquer, c'est le doute. Alors, te dire, ouais, putain, ouais, mais bon, ouais, mais je pense que c'est pas fait pour moi, ouais, donc ça va être trop dur. Au final, tu perds jamais rien à essayer. Bon, mais voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, j'étais pas forcément au top de ma forme, hein, mais voilà, je me suis dit, c'est les épaules, j'ai envie de vous proposer du lourd. Donc malgré que je me sentais niqué, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout, je vais essayer de donner un maximum parce que j'ai envie de vous faire kiffer, j'ai envie de vous transmettre un maximum de motivation et surtout, ben c'est important pour moi que vous compreniez que même les jours où on n'est pas dedans, même les jours où vraiment je te jure t'as la flemme, t'as pas envie de t'entraîner, ben voilà. C'est ça qui différencie celui qui a juste de la motivation et celui qui a de la discipline. Donc, bah, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu un maximum, qu'elle t'aura motivé un maximum et que tu auras juste une seule envie, c'est d'aller te matraquer les épaules à la salle. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, histoire de faire un maximum de gains. Et bah, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Voilà, voilà.